Souvent, les gens au centre-ville, quand on leur demande le faubourg de Béthune, ils croient que c'est juste soit les blocs bleus ou soit les blocs jaunes, à voir qu'il n'y a que ça. Alors, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo. Salut, moi je m'appelle Imen. Au centre social, on fait un projet numérique et j'ai décidé de faire un film pour vous montrer l'intérieur de mon quartier. En gros, j'ai décidé d'interroger les garçons et aussi les seniors du centre social. J'habite à Paris dans le 4 et je travaille en Paris. Depuis toujours. De quel bloc jaune. Bloc jaune. Et ça veut dire quoi en fait? Et vous y faites quoi? On s'amuse. La clé de la race. Bah pour faire des basses activités, genre bah des sorties et tout. Décompresser. Avec l'école et tout. Bah, moi je suis venu parce que j'ai avec les potes. Ah, voilà, on en est. Il y a quoi? La faute. On est en vacances, on fait beaucoup de sorties. Le devoir, non? Ouais. Ouais, le devoir. On a trop de devoirs. Il n'y a rien qui manque. Comme quoi? Quand ils organisent un tournoi de foot, les grands amis, quand il faut du parler de foot, ils nous aident. Ouais. Et non. Non, parce que pas les jeunes par rapport au téléphone. Et oui, parce que les jeunes se connaissent. Si un vieux a un problème, les chiens vont l'aider. Il y a même nous, bah, les chiens. Nous, les proches, quoi. Ben certainement. Pourquoi? Je sais pas, ils ont peur des jeunes. Je sais pas, ils ont l'impression des jeunes, ils se foutent sur eux. Alors que si t'as raté, ils ont raté. Vous en pensez quoi? C'est une bonne idée. Est-ce que ça va être à l'image du quartier selon vous? C'est-à-dire à l'image. Bah, est-ce que ça va bien représenter le quartier ou pas? Ouais, c'est vrai. Bah, peut-être. Ouais, ça veut dire qu'ils nous aident. Ils vont nous faire venir. Je pense à la métallerie, genre. À la grille, orange. Je sais pas, parce que genre, le bâtiment est trop grand. Je sais pas. Vous avez vu les photos dans le journal de comment ça va être? Non. Non? Si, devant ma porte, j'en avais. Bah, les gars, merci pour la cause et maintenant, je pense qu'on peut y aller en fait. Bonjour. Bonjour. Je suis venue pour poser des questions. Donc, depuis quand habitez-vous au faubourg de Béthune? Très très longtemps, on doit te dire l'année? En 73. Oui, j'avoue que depuis 69. Voilà. Voilà, mais depuis 1954.
y a-t-il des événements qui vous ont marqué? Alors, les événements, oui. Déjà, ici, c'était une école maternelle et on en a fait un centre social, hein, bien sûr, qui permet de recevoir beaucoup d'enfants et beaucoup d'adultes, enfin, beaucoup de monde. En plus, il y a eu aussi le tramway qui s'est mis à traverser le faubourg de Béthune, hein, quand même, qui vient de Douai, Salle-Nord et tout ça. Donc ça, je trouve que c'est un événement pour le quartier. Moi, ce serait plutôt comme les blocs millions, la démolition et puis la reconstruction des petits immeubles. Que pensez-vous de l'ambiance du quartier? Ben moi je dirais plutôt qu'il y a des... C'est vivant. Exact. Je dis ça aussi, bien vivant. Il y a du commerce, il y a un marché qui se fait le vendredi. Il y a quand même, on est entouré d'écoles, hein, quand même. Il y a le collège du Ferry qui est là tout près. Il y a l'école. Il y a pas mal d'animations. Hein, moi, je trouve que c'est... Il y a une école maternelle aussi. Donc, c'est quand même pas mal animé. Quand fréquentez-vous une centre sociale? Ben, moi, je fréquente depuis son début. Ben, il y a 20 ans. 20 ans passé maintenant. Oui, moi aussi. Il y a 20 ans. Moi, non, depuis 2011. C'est une copine qui m'avait parlé du centre social. Je ne savais pas du tout ce qu'on allait y faire. Mais elle m'avait parlé que c'était agréable, qu'on faisait des animations. Des animations, des sorties. Voilà. Et je suis contente d'en faire partie. Quoi. La fréquentation du centre permet de voir des personnes qu'on n'aurait pas eu l'occasion de se rencontrer et qu'on a lié connaissance, qu'on reste amis et qu'on est content d'être ensemble, de se voir à certaines après-midi, du rassemblement. Je pense qu'il pourrait encore changer parce que il y avait la nouvelle place qui s'est faite et là. Oui, la place de la convivialité qui a été inaugurée cette année, qui permet de quand il y a le cirque ou les fêtes, si là, ça se fait, l'amélioration, je ne sais pas, on peut toujours améliorer. Il pourrait y avoir du tout ce qui peut... C'est déjà pas mal animé, c'est un quartier bien vivant. Que pensez-vous des jeunes de maintenant? Alors, les jeunes de maintenant, c'est plus... C'est plus notre génération, non, c'est pareil, donc, c'est une autre génération. C'est une vie plus trépidante. Plus animée, plus agitée, mais bon, ils vivent à leur façon de vivre. C'est chacun, hein. Même nous, nos grands-pères et grands-mères n'ont pas vécu pareil. Donc, on va dire que c'est chaque période, chaque moment. Chaque génération. Bon. Pour vous, existe-t-il de la solidarité entre les gens? Ah oui, beaucoup. Voisins, il faut toujours se s'entraider. Moi, je dirais plus maintenant. Avant, il y avait beaucoup de solidarité, moi dans mon quartier. Il y en a moins, c'est plus pareil. S'il y a des jeunes, c'est des jeunes qui s'installent. Ben, tout le monde travaille, hein. On n'a plus la même. Voilà, c'est plus la même. Donc, les jeunes ont le temps. Tout le monde, les femmes travaillent, donc elles ont moins de temps maintenant de s'intéresser à son voisin. Voilà. Hein? Merci. Merci. Est-ce que ça t'a convenu? Nos réponses, oui, ça me convient. Bon, on a beaucoup parlé du quartier, mais vous ne savez toujours pas à quoi il ressemble. Donc, pour finir, je vous fais une petite visite.